Dani, un match de plus serré, un match de plus intense aujourd'hui, on peut dire, et un match certainement très intéressant aussi au vu des playoffs qui vont venir prochainement. Ouais, waouh, ça c'est du hockey, ça c'est un match de hockey. Du début jusqu'à la fin, ça a été un match avec beaucoup d'intensité, beaucoup de passion, beaucoup d'émotion, mais très propre, je veux dire, c'est un plaisir. On vient de parler avec plusieurs joueurs des deux équipes, parce que j'en connais quelques-uns. Ils sont tous contents de jouer des matchs de hockey comme ça, parce que tu gagnes ou tu perds, à la fin, c'est comment tu l'as joué et ta performance. Et ce soir, ben oui, il y a un vainqueur, mais le match de hockey, magnifique. Comme tu dis, maintenant, justement, dans deux semaines, c'est le genre de revanche déjà avant les playoffs qui vont venir. Pour toi, ces prochains matchs qui vont venir, c'est quand même une certaine déjà préparation au niveau des playoffs, aussi au niveau du championnat. Avant d'aller à Dubendorf, dans deux semaines, on en a d'autres. Hein. Alors, du coup, on va se concentrer sur Vicky. On a beaucoup là. Il nous reste cinq matchs. On a trois matchs contre Vicky, un contre Dubendorf et un contre Martigny. Alors, je pense qu'on va on va les prendre les uns après les autres, parce que là, c'est que des matchs comme ça qui nous attendent jusqu'à la fin. Alors, du coup, on va récupérer et on va bien travailler. On va se remettre au boulot lundi, parce qu'il y a encore beaucoup de choses, notamment dans un secteur où on s'est fait battre, mais à plate couture ce soir. Et lundi, il va falloir qu'on travaille très, très fort, parce qu'il faut régler vite le problème lundi soir. Dani, je te laisse bien te récupérer ce week-end, et ton équipe aussi. Et à bientôt. Merci. On en a besoin. Merci.